Juste avant de commencer la vidéo les amis, je tiens à vous dire que je fais gagner ce clavier que j'unbox dans la vidéo. Donc pour ça il faut être abonné, très important, liker cette vidéo, commenter et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, il faut être abonné, liker, commenter et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bonne participation à tous. Hey bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'un nouveau clavier. Alors je suis vraiment content de vous faire une petite vidéo comme j'ai l'habitude de vous faire avec des claviers. Toujours des claviers les gars, vous aimez tellement les claviers que je vais en faire beaucoup des unboxings. Je préviens tout de même que c'est un petit clavier. On va l'unbox et puis on va tester le rapport qualité prix. Donc évidemment j'ai dessiné mon adresse, sinon vous allez tous faire un meet-up chez moi. Mais globalement le packaging est un peu aplati par le transport sans doute. Je pense qu'il est quand même bien protégé, enfin du moins j'espère, parce que sinon on va unbox encore un clavier cassé. Bref, je vous demanderai un objectif de 2000 likes sur cette vidéo. C'est vraiment faisable si tout le monde s'y met. Si toi derrière ton écran tu t'y mets en même temps que moi, tu cliques sur le bouton juste en bas. Généralement ce bouton il ressemble plutôt à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Et si vous êtes nouveau, je vous souhaite tout simplement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais souvent des vidéos unboxing, donc n'hésite pas à t'abonner. Je fais aussi du Fortnite, souvent des lives, donc franchement, vas-y, t'appuies qu'à t'abonner maintenant, avant que t'oublies, fais-le maintenant, avant de commencer. Clique sur le bouton rouge s'abonner, c'est gratuit. Exactement, ouais. Bref, nous on va voir le clavier, du coup, si il est bien ou pas. Et bah, on va le tester en jeu aussi. N'hésite pas à mettre mon code créateur aussi, c'est très important. Vous allez dans boutique d'objets, soutenir un créateur, où vous marquez GX le slime. Le code s'affiche actuellement à l'écran. Merci infiniment à tous qui le feront. Ça motive et ça soutient beaucoup, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Merci à tous qu'ils feront. On va passer en mode unboxing. J'ai déjà le couteau CSGO pour ouvrir. N'hésitez pas à me follow sur Twitter aussi. Je le dis pas souvent, mais allez-y, j'ai un Twitter, et oui. Et puis si vous dessinez ou quoi, bah n'hésitez pas à me faire des petits fanarts ou quoi. Franchement, je suis preneur, je vous présenterai en vidéo. On va passer en mode vision unboxing. Ouais, pop les amis, juste avant, je vous présente le site YoYoBuy. Alors qu'est-ce que c'est? YoYoBuy est un site e-commerce en tout genre avec des produits type électronique, habits ou encore jouets. Il y a beaucoup de choses dessus. C'est un genre d'AliExpress si vous voulez. Et personnellement, je trouve qu'il a la particularité d'avoir des prix vraiment pas cher, très compétitif. Le clavier que je vais unbox vient tout simplement de YoYoBuy. Si vous voulez faire un tour, vous allez dans la description. Et à ce que je vois, vous avez 10$ si vous vous inscrivez. Donc franchement, n'hésitez pas à tester et à aller regarder les produits en tout genre, les amis. Bref, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment beaucoup de choses sur ces bonnes vidéos. Maintenant, on va lui mettre une enceinte à l'arrière de son coffre. Elle était vraiment pas chère sur YoYoBuy. On a refait la totalité de ta caisse de merde avec YoYoBuy. Je vais te la montrer, te pisse pas dessus. Et si t'aimes pas, tu te barres là-bas. Oh mon dieu! Merci YoYoBuy! Je suis collectionneur de violoncelles! Vous avez vraiment bien bossé, vraiment merci les mecs! J'aime les frites! Yeah! Woo! Et bien les amis, on se retrouve pour ouvrir le clavier. On va de ce pas poser le petit trépied comme ceci afin de pouvoir filmer l'ouverture. Ah ok, je viens de casser, ok. On va voir comment on va unbox ça parce qu'il y a beaucoup de plastique. Je sais pas comment faire. On va faire comme un barbare. Il est scotché. Là t'es sûr que là ça s'ouvre et je vais pouvoir ouvrir sans enlever tout le scotch là, parce que j'ai un peu la flemme d'enlever tout le scotch. Je vous avouerai que si je peux ne pas le faire, ça m'arrangerait beaucoup. Putain de vie de merde, de youtubeur de merde. Je l'ouvre vraiment comme un barbare, mais c'est pour ne pas non plus enlever tout le scotch parce que ça serait horrible un peu pour vous. Et donc on fait ça. Et là, on a directement le clavier ou pas? Oui. On va le faire facile. On va directement prendre le clavier ici, les amis. Le clavier est juste là-dedans. Alors là, franchement, les gars, je fais vraiment ça comme un barbare. Ok, donc c'est parti. 3, 2, 1. Hop. Hop là. Ok, donc c'est un clavier. C'est presque le même que celui que j'avais unbox. Alors, je vais tout vous expliquer. Et le switch. Switch noir? What the fuck? J'ai jamais vu ces switches-là. What the fuck? Bon, attendez, bougez pas. Alors je vous explique du coup le contexte. C'est que j'avais déjà fait un unboxing d'un clavier vraiment similaire. Presque similaire je veux dire, mais il y a quelque chose qui change, des petites choses qui changent. Ah, il y a ça aussi, what the fuck? What? Voilà, franchement je pense qu'on va bien s'amuser durant cet unboxing. Alors, il y a du coup la petite clé pour pouvoir enlever les touches. Mais du coup c'est rond, du coup c'est... Je crois qu'ils ont pas prévu le coup en fait. Ils ont pas prévu comme c'était rond, ils avaient la flemme. Les amis, on a le clavier ici avec le câble tressé, donc vraiment de bonne qualité, qu'on va défaire de ce pas. Et ensuite, du coup, on va pouvoir voir un petit peu de plus près, enfin de plus près, comment il s'allume, etc. Il y a le logo qui est juste ici, derrière la touche au-dessus. Hop. Alors franchement, j'espère que cet unboxing va vous plaire, parce que, bah, personnellement, j'aime bien faire ça, vraiment. J'aime bien ouvrir des claviers et tout. C'est super cool, donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis, n'hésitez pas à me proposer des produits que vous voulez que j'unbox pour vous en faire un avis, ou pour le what the fuck, ou pour n'importe quelle autre raison. Franchement, n'hésitez vraiment pas. Soyez pas timide, marquez un petit commentaire. Et nous, on va regarder un petit peu comment il s'allume, etc. Alors, est-ce qu'en dessous, on peut le surélever? Parce que ce serait vraiment super, on peut le surélever. Ok, donc, le combo, là, c'est du gris, du blanc, et du...
du Chrome, tout simplement. Donc je sais pas s'il va faire beaucoup plus de bruit ou moins de bruit qu'un switch bleu. C'est parti, on va le brancher les amis. 3, 2, 1. Ok, j'ai eu un peu de mal. Waouh. Oh, what the fuck. Les couleurs qu'il fait, what. Elles sont vraiment smooth les couleurs. Je sais pas comment dire, mais elles sont vraiment clean. Elles sont vraiment super clean. Avec le chrome, enfin le chroma du coup ça fait, enfin chroma non, le argenté ça fait un petit reflet. Et les lumières passent vraiment crème. Donc j'espère qu'on peut changer le mode. On peut changer les modes en appuyant juste une fois dessus. Ça va juste changer le mode d'affichage. Donc quelle action ça va faire, est-ce que ça va clignoter, est-ce que ça va tourner, est-ce que ça va respirer. On regarde, ok donc. Oh what. What? Ouais, franchement, je suis amoureux, hein, je sais pas vous. Moi, j'aime bien. Ensuite, ici, on a des boutons play et tout. Donc, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour des macros, non? On va rester appuyé longtemps pour voir ce que ça fait. Non, ça fait rien. Je sais pas ce que ça fait quand on tourne. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas sélectionné la bonne chose. Parce que là, si je tourne, ça fait rien. Normalement, en toute logique, ça devrait baisser la luminosité vu qu'il y a un peu. Non, c'est le son. Ok, oh, d'accord. C'est censé être le son. Ok, donc je crois qu'on peut pas changer les couleurs. Enfin, du moins, moi, ça me plaît là, comme ça. What? What the fuck? Mais les couleurs, elles sont vraiment smooth. Hein. Ça rend super bien avec le chromé. Donc voilà un petit peu, je crois que de tête il m'a pas coûté réellement cher, enfin la marque m'a envoyé le clavier pas tellement cher, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, et puis voilà, je pense que le clavier est vraiment bien, on va le tester en jeu, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il va donner en jeu, étant donné que les switches sont noirs, ouais les switches sont noirs, j'ai un peu bégayé, mais les switches sont noirs les amis, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, c'est vraiment what the fuck, hein. Après je pense que c'est juste noir parce qu'ils ont mis la couleur noire, mais il n'y a pas réellement d'autres changements, je sais pas, je me renseignerai, ça se trouve il y a un changement. Dites-moi en commentaire si vous y connaissez ou pas. Et les petites touches rondes qui sont vraiment vraiment spéciales. Elles sont vraiment spéciales mais ça rend quand même beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref les amis, on va tout simplement passer sur Fortnite et on va faire une petite cinématique comme j'ai l'habitude de faire. Donc c'est parti. Ok les amis, on se retrouve sur Fortnite. Alors on a tout simplement mis les graphismes à fond et direct là, c'est vraiment super beau. Mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est le clavier que il y a tout simplement ici. Mais vous êtes pas prêts. Alors là, vous voyez qu'il s'affiche, enfin qu'il y a rien du coup. Et là, quand j'appuie sur une touche, voilà, ça fait vraiment un feu d'artifice. C'est vraiment super. Aussi sans QWERTY, mais on peut le changer, juste la flemme de le faire, hein, en toute honnêteté les gars, j'ai vraiment la flemme. On va tester ça sur ma map edit les amis, j'espère que ça vous plaira, et j'espère que vous pourrez vous faire un avis sur le clavier, il est vraiment pas cher je crois, donc les graphismes sont vraiment super beaux avec en ultra, mais c'est pour ça que je vais changer, parce que je pense que là, les FPS bug pour vous, donc on va se mettre en moyen, on va être sage, on va mettre en moyen, on va mettre sans ombre aussi, parce que les ombres ça casse un petit peu tout, étant donné qu'on va faire une map edit pour tester le clavier, donc si on met des ombres dans la map edit, on va rien voir et ça va être assez chiant. Donc on va enlever les ombres tout simplement. Ok, on se retrouve sur la map edit. N'hésitez pas à la réaliser aussi pour pouvoir gagner 50€ ou un clavier de la valeur de 44€. Un switch bleu en plus. Il faut juste faire la map le plus vite possible, poster la vidéo sur YouTube et marquer le hashtag JX Edit dans le titre ainsi que le temps au chrono dans le titre. Donc c'est parti, let's go. Hop, on commence. Bon, je me fail encore beaucoup. Surtout au début. Au début, c'est vraiment. C'est un coup à prendre. Qui est assez galère. Donc, on va se contenter de ça. Hein. C'est pas très grave, les amis. Ok, donc les 90. Enfin, non, l'extend contre les bots. C'est bon, c'est réussi. J'ai pris aucun coup. Ensuite, ici, on a juste à monter comme ceci. Mais je me fail assez souvent ici, quand même. Alors là, si tu te concentres un petit peu, ça va. Y a pas de souci. Franchement, c'est assez simple. C'est vraiment bidon, c'est juste tellement c'est bidon, tu fais des fautes. Ok, donc ici ce serait cool de... Ok, normalement tu fais un petit boost et ça t'aide un petit peu. Ici la descente, il faut avoir le coup en fait. Si tu as pas du coup la technique, bah tu pourras pas le faire. C'est juste une habitude à prendre. Donc les amis, moi je trouve que le F, enfin le F, les touches je veux dire du clavier, bah elle passe crème, elle passe vraiment crème. Après faut être vraiment habitué aux touches rondes. Faut savoir que les touches rondes pour moi c'est un petit peu perturbant. Comme j'ai toujours été habitué à des touches vraiment carrées.
Ok, là je me suis bien raté pour le dernier. Et oui, j'ai plus de 16 minutes, je suis vraiment content les amis. J'ai plus de 16 minutes, mon record c'est 16 minutes 24. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Il y a beaucoup de trucs que j'aime, comme par exemple les trois boutons sur le côté, c'était effectivement pour play et avancer les vidéos. Donc par exemple vous êtes sur YouTube, vous faites vidéo suivante, ça vous met la prochaine vidéo dans la playlist. Sinon vous faites play et pause, et bah du coup ça fait play ou pause. Mais après il y a la touche espace qui a la même utilité. Personnellement c'est des petits trucs que j'aime. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous êtes nouveau, je vous invite vraiment à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, donc cliquez sur le bouton s'abonner avant de partir. Je vous laisse tranquille, merci d'être passé. Gros bisous à vous, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.